Oui, ce mémorial de Haute Alsace, c'est une rencontre avec une histoire, rencontre avec un collectionneur, rencontre avec quelques idées, quelques passionnés, rencontre aussi avec un territoire qui est particulier, cette région Alsace qui a été tant bousculée pendant les deux guerres, mais particulièrement pendant la guerre de 14, où vous aviez une même famille, un frère était dans l'armée allemande, un frère était dans l'armée française, ce qui est quand même très particulier et qui mérite d'être expliqué plus complètement, voire peut-être de rétablir des vérités. Ce mémorial doit pouvoir établir un phare sur ce territoire qui a besoin d'être désenclavé en développant toute une série d'initiatives et de parcours, tout cela dans un territoire des trois frontières, Suisse, Allemagne, France, mais plus encore. On sait qu'il y avait des Américains dans ce secteur, etc. Et donc on doit pouvoir faire quelque chose de très complet et qui doit pouvoir effectivement développer, je dirais, ce tourisme des Montmarts. Et donc ça veut dire aussi développer un peu économiquement ce territoire. C'est aussi la rencontre avec un collectionneur. Et ce collectionneur, un passionné de cette période particulière. Et on a jugé qu'effectivement, ça pouvait être un point d'ancrage très important sur ce territoire.